Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De nombreux actes de vandalisme ont été perpétrés ce vendredi lors de la deuxième journée de manifestation organisée par les Petro Challengers. Le Front National des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique dénonce les actes de violence enregistrés lors des récentes manifestations des Petro Challengers. Le Conseil économique et social, ECOSOC, est préoccupé par la détérioration de la situation politique, économique et sociale dans le pays. Selon l'organisation, il y a une profonde crise institutionnelle de gouvernance et d'état de droit qui découle d'une situation économique de plus en plus difficile. Pour la deuxième journée consécutive, de nombreux actes de vandalisme ont été perpétrés lors de la manifestation de ce vendredi au centre-ville de Port-au-Prince. Après avoir effectué leurs 7 tours du Palais national, quelques dizaines de contestataires sont ensuite partis en direction de la rue Chavannes, où ils ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules en stationnement. Ils ont également lancé des pierres dans plusieurs directions. Les protestataires s'en sont pris aux passants, également à tous ceux qui n'adhèrent pas à leur mouvement. Véritablement que nous ne pouvons pas combattre ça, parce que nous avons le côté, nous avons tout le monde là-dedans, nous avons des gens qui ont infiltré, les gens qui ont venu avec les causes autour, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas lancer la violence là-dedans. Mais en même temps, que dans un moment, il y a des gens qui ont infiltré, qui ont tiré les roches, qui ont des jets de pierre. Mais pour nous-mêmes, nous, c'est une réussite, parce qu'automatiquement, nous faisons cette tour-là, nous satisfaits de la journée. Parce que le président Valé dit que lui-même, il n'y a pas de corruption. Même avant, le président des présidents, je dirais que Jovenel Moïse, pour qu'il y ait un président dans nous, l'idée est dans la corruption. Parce que c'est avec quoi Petro-Caribe a pris la campagne. Et je dis là, le président doit démissionner et mettre-le à la disposition de la justice haïtienne. Une nouvelle étape sera franchie dans le cadre de la lutte anti-Jovenel. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les responsables du regroupement politique Force de l'opposition progressiste, FOP. Lors d'une rencontre avec la presse, Jean-André Victor, Moïse Jean-Charles et Josué Mérilien, entre autres, affirment qu'ils sont on ne peut plus déterminés à renverser le pouvoir en place. Ils appellent la population à marcher vers l'aéroport international Toussaint Louverture ainsi qu'en direction de l'ambassade des États-Unis à Tabar le dimanche 16 juin prochain. Nous demandons au président Jovenel Moïse pour le comporter lui comme chef d'État. Lorsque vous gagnez une population qui a manifesté contre vous, lorsque toute institution dans le pays a envoyé un message que y a demandé départ, lorsque gagnez tout groupe organisé qui a dit que le pays n'a pas qu'à craser ce président pour parti, le ça, responsabilité en chef d'État, c'est comprendre la situation et mettre clé en bas porte là. Donc nous-mêmes, nous dit le président aujourd'hui, nous n'avons pas parlé avec lui là, il y a une autorité morale et politique pour lui dire si l'équité pouvoir sans casse, sans bruit, sans compte, la bon pour tout le monde. La bon pour lui tout. La bon pour la population, la bon pour le pays. La raison, c'est que il y a un grand travail qui pour faire après le finale pour mettre le pays sur le rail. Nous ouvrons bras, nous, bas tout secteur dans le pays. Question parti politique, jeune Petro Challenger, toute catégorie, moun ghetto, chauffeur taxi, moto paysan, élève l'école, moun classe moyenne, bourgeois qui paye taxes, diaspora, nous tous, font frère, font commun. Et faut demander ça. Petite de Saline demander ça. Pour nous chiter avec tout le monde qui veut changement, et nous pas venir pour nous seulement changer un président. Et pas pour ça nous venir. Nous venir
pour nous changer le système. Non, c'est ça que fait. L'autre monde qui était précédent dans la conférence, non, il dit, droit, nous parlons de la Cour de cassation, il y a un sanrele, au Conseil d'État, il y a un sanrele, moun capitaine de nous là, il y a un premier ministre qui pourra sortir dans l'opposition. Après ça, c'est non, sanrele, État général ou bien conférence souveraine, non. Nous prenons le travail pour nous résoudre tout le problème paysan. Automatiquement, je vais le Maurice tomber. Parlement tout parti. CEP parti. Qui donc nous parle directement. Nous tabou la rasa. C'est ça demandé aujourd'hui dans le paysan. Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique dénonce les actes de violence enregistrés lors des récentes manifestations des Petro Challenger. Rosemont Jean, l'ancien responsable du Conseil national des sociétaires victimes de coopératives, tout en reconnaissant que le droit de manifester est constitutionnel, appelle la police nationale à assumer ses responsabilités lors de ces mouvements de rue. Moun ki vole kòp Petro-Karidea, yo la. Yo la jodi a, y a financé manifestation, y a financé Petro Challenger, y a financé nous pap dormi, y a financé nap dormi, y a financé nap manje, y a financé nous pap manje. Jodi a nèg yo di après Jovenel, yo pral faire ceci, yo pas jamais expliqué moyen politique yo. Yo seulement di yo pral faire ceci, yo pral faire ceci, mais pas bay moyen politique yo. Alors que moun jodi a, y a cherché faire célèbre là. Nous ka prend, m'a prend 2 3 cas, m'a prend pile. M'a prend Don Kato. Don Kato, il pas même connaît si c'est madame moi qui baptisé petite li. Petite li fait que ou pas qu'il te reconnaît là. Yo me connaît. Ba cité non ti moun peut-être qui ça pour protéger ti moun non. Qui t'en en tête ton gang Piblin neuf qui te gagné comme commandant Calviello. Il était commandant adjoint. Il t'habité non kay l'el saute pendant l'opération, il était go kay il t'habité kay Chalmay sous route frère. C'est la police qui vient mettre dehors dans kay ça. Dans bataille, dans quatre batailles pour arrêter Zenglendo. Jodi a la pour monsieur de sénateur. C'est Matéli, Dimitri Vob, Boulos, Lambek met ensemble qui fait pression pour DCPJ bal le certificat bonne vie mes. Je dis à ça pour tout pays en amène nous. Nous prend monsieur Beauplan. Monsieur Beauplan est sénateur. Pendant le sénateur sous privé tout le monde entendait il mettait chariot là, il a ramassé $50,000 américains chaque mois. Pas gagne rien blanchine. Comme récompense li dit les manifestations li dit moun yo mettez l'huile sous tête moun yo vide l'huile nous connait ça veut dire ça c'est un bagage purement théoriste parce qu'elle pas cible au moun c'est quel que soit moun dans machine là qui a plongé à mourir c'est lui même nous prenons le cas sénateur Yuri la Torti si menti mande professeur Josier Mérilien l'a expliqué nous dans quel niveau sénateur Yuri la Torti compris parce qu'il était dans toute radio qui t'a dénoncé Yuri la Torti 30% et corruption, voler machines, etc. Alors que je dis, lui, il a tenté dans la tête de la commission éthique anti-corruption. Ça veut dire, voilà la situation. Maintenant, André Michel, qui l'a maintenant André Michel, vient payer caille pour peut-être parler. Peut-être avant hier, c'est Patrick Noamé qui a payé appartement côté de l'UTA. Je dis, c'est Mounsa qui prend la rue, il a fait vedette. Yo fait célèbre et yo tellement senti yo vedette, yo tellement senti yo célèbre, yo croit yo gen droit de vie et de mort sur tout le monde. Nous pas comprendre situation famille Jean Dominique que je dis à tout le monde faire complice pour passer pour oublier. Brignol Lindor, Jacques Roche. Pas grand monde dans pays pas connaît implication Don Kato dans l'homme Jacques Roche. Pas grand monde dans pays pas connaît pour nom candidat 3e circonscription for gang. Printemps Belize en 2004. Sciences humaines, une casse sciences humaines là, Pierre recteur université, Pierre Marie Pacquiao, jodi a se prétend Belize ça, cap défend droit moun, qui célèbre dans toute radio, cap fait tout moun peur. Nous même nous dit non. Kounya là monsieur dame, nous pensons, seul cadeau pour faire nous dans pays a, c'est la stabilité politique. Ou a demandé pour Jovenel mettre la disposition la justice, mais faut que la justice relève, pas vrai? Qui juge qui relève Jovenel déjà, lui faire obstacle. Nous déclarer jodi a pas bon monde au monde qui ca camper devant volonté un peuple qui veut changement ça nous clair la donne cependant ça qu'a fait là c'est pas peuple haïtien là dedans.
Des organisations proches du pouvoir en place sont sorties du silence depuis les mobilisations de l'opposition réclamant le départ du président Jovenel Moïse. Réseau 100% Jovenel Moïse, Rambo 22, Backup Haïti 2022, FOSS Changement 2022 sont entre autres les organisations qui ont réitéré leur support au président de la République ce vendredi. Elles veulent que l'échéance constitutionnelle soit respectée. Le président ne va nulle part avant la fin de son mandat, a martelé cette coalition pro-gouvernementale. Fort changement 2022, n'a dit peuple haïtien, ressaisis-le, pas quitter l'opposition, prend tête. Parce que ce n'est pas une question de pétro-challenges qu'a réglé, ce n'est pas une question de pétro-caribé qu'a réglé. Parce que nous, journée aujourd'hui, Petro Challengers transformé tête en Petro opposition. Yo transformé tête en Petro déchoucage qui pour aboutir sous Petro transition. Pour qui ça dans rapport signé, nos partis nous ramé pas épinglé dans rapport. Pour qui ça la Cour supérieure des comptes lui-même après elle fin gagoté 35 millions de gourdes non pas non conseiller ou pas épinglé dans rapport. Et n'a dit dernièrement sous président Dera Simon Diesel te gen 10 millions de dollars américains pour construction parlement, il disparaît, pas gen moun ki kon kote le fait pour qui ça non ou pas épinglé. Faut changement a dit démission président pas solution crise qu'a traversé pays. C'est dans bon genre dialogue tête ensemble n'a besoin une solution. Nous rejeter dans en revers demain rapport si ça rapport triqué rapport falsifié rapport pas campé sur rien faut changement a dit nèg ici méchant en pile yo sans conscience yo oublié créer pour Petrodas dans faire boulos Yuri la tortue Patrick Noramé Kato nèg Jacques Roche là a campé l'autre passé pour innocent pour nous finir. Faut changement demande tout acteur politique yo ressaisir yo parce que c'est dans bon genre dialogue n'a joine une solution pour kaba système pesé sous ça. Nous même militants réseau 100% Jovenel Moïse qui dans quatre coins pays a nous dit à bas Petro transition. Réseau a dit opposition rate docalé yo pas oublier boule caoutchouc. Si les policiers, journalistes, fouet d'accès nous, pas mener nous aucun côté. Petro Transition, Zak Brizrenday Sayo, pas mener nous aucun côté. Pour qui ça Petro Transition, Radio Calais, ouvriers, commerçants, étudiants, universitaires, journalistes et latriers, pas mettre tête nous ensemble avec le président Jovenel Moïse pour nous sauver le pays. Pays a c'est pour nous, c'est pas détruire pour nous détruire, c'est construire pour nous construire. Réseau 100% Jovenel Moïse dit, vive président Jovenel Moïse, abat Petro Transition, vive démocratie, vive Haïti. Nous-mêmes, Backup Haïti 2022, nous avons dit à tout acteur que ce n'est pas un écrasé brisé, n'a pas résoudre le problème pays. Au contraire, c'est aggraver plus plus situation difficile économique et engendrer une misère sans pareil pour peuple haïtien n'a fait opposition connait pas gain démocratie dans aucun pays sans opposition. D'ailleurs principe fondamental toute démocratie chita sous pluralité et participation, mais faut que connait tout changement pouvoir doit faire dans l'élection et dans l'élection seulement. Messieurs, dames, dans le cas où nous voulons laguer le pays, montrer à clair, nous ne pas démocrates. Nous ne pas démocrates. Et nous disons, en tout cas, nous-mêmes dans la COP 2022, nous sommes petit peuple à tout, et nous fait tout le monde connaît que le président Jovenel Moïse pas piti mis en gado. Et n'a dit que président Jovenel Moïse gagne un mandat pour 5 ans.
président Jovenel Moïse n'a pas pour le démissionner. Il a fait 5 ans. N'a dit opposition, suspend by peuple a menti. Et si nous disons nous remet peuple là, nous pas qu'à connaître saucisse nous avec bourgeoisie corrompue qui fait toute fortune sous d'autres peuple là et qui veut écraser toute institution l'état yo pour faire plus l'argent et laguer pays à dans grand goût chômage et insécurité. L'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Marc-André Blanchard, président du groupe consultatif ad hoc du Conseil économique et social sur Haïti, a indiqué hier que son groupe est préoccupé par la détérioration de la situation politique, économique et sociale du pays. Intervenant lors d'une réunion informelle au Conseil économique et social, M. Blanchard a soutenu que les Nations Unies devraient se pencher sur les causes profondes des problèmes dans le pays. Nous voulons nous assurer que nous ne traitons pas que certains des symptômes, mais que nous nous attaquons aux causes profondes des problèmes en Haïti, a dit le représentant canadien à l'ONU. Faisant valoir que la violence des gangs en Haïti n'est pas poussée par les barons de la drogue. Il semble que certains partis politiques et certaines parties du monde des affaires l'aient alimenté. Vous avez alors une situation complètement différente, a-t-il conclu. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.